Repos autour de la littérature congolaise est un ouvrage de 435 pages, l'œuvre de Laurent Kalumbo-Tshindela, paru aux éditions L'Armaton, préfacé par Marie-Léontine Tshibinda Bilombo, avec la postface de Tigui Elebe Motsingia. Un livre d'entretien de l'auteur avec des brillantes personnalités congolaises du monde littéraire, culturel, académique et scientifique, comme Feu Philippe Masega Bionzanzou, Isidore Ndayuel, Yokalié, Clémentine Faitinjouzi, Didier Moumengi, Fiston Mwanza Mujila, Charles Djungu Simba, Pichi Banda, Yolande Lebe, Tatalongi Beatitude, Eric Ntumba, Richard Ali, Lilia Bongi et les autres. Un livre où résonnent toutes les voix, dont des entretiens finement variés et relayés par diverses générations d'hommes et de femmes, capables de façonner et de tisser des corps et des visages dans la sublime argile malléable et culturelle du bassin du Congo. Un livre choral à lire absolument. Propos autour de la littérature congolaise, ce sont de paroles uniques qui parlent de notre littérature, mais surtout de notre société, parce que la littérature est un art total. Voici donc un livre audacieux par son volume, excellent par son inspiration et bien à propos, qui vient combler la carence des voix d'autorité du sérail littéraire congolais. C'est Christy Vito pour les générations futures en quête permanente des repères de ces très proéminents. Un ouvrage qui contient l'essentiel de la pensée littéraire congolaise, exprimée aisément par quelques-uns de ses illustres façonniers à travers des entretiens nantis d'enseignement et d'anecdotes personnelles. En vente à la bibliothèque Ryobot sur l'avenue Banzamboma au numéro 378, quartier Adoula, dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi vous le procurer sur commande, sur Amazon et sur les sites de l'Armaton ou en appelant le plus 243 81 51 58 362.